Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour ma longue absence à cause des circonstances. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec vous un petit truc sur le verbe manger. D'accord? Donc, vous regardez moi la conjugaison au présent, à l'imparfait, au futur, pour regarder la différence. Donc, le verbe manger, on a un petit truc pour la prononciation de G. Donc, بعد ما تسمعوا le G, يعني تنقراوها G ou la تنقراوها G. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la conjugaison, d'accord? Donc, vous regardez la conjugaison. Au présent, je mange E, tu manges ES, il mange E, nous mangeons E en NS, vous mangez E, Z, il mange E, NT. Donc, ça l'aide à ne كلهم فيهم E. ضروري تكون E في terminaison. Regardez, E, ES, E, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Ça, c'est le présent. Pour le futur, non, pour l'imparfait. D'accord? On regarde l'imparfait d'abord. Donc, l'imparfait, je mangeais E, A, I, S, tu mangeais E, A, I, S, il mangeait E, A, I, T, nous mangeons I, O, N, S, vous mangez I, E, Z, il ou elle manger, E-A-I-N-T. Donc, je me suis dit, non, oui, qui n'a vu œuf, je, qui n'a vu tu, qui n'a vu il ou elle, nouveau nom, ben s'appelle il ou elle avec S, oui. D'accord? Donc, coulons, fihom, E. Je mangeais, il y a d'arôme, il y a d'arôme, E. Il y a d'arôme, il y a d'arôme, il y a d'arôme, tu mangeais, il mangeait, elle mangeait. Un jour, nouveau, man, il y a mangeant, manger, ouf, il ou elle, manger. C'est d'arôme une petite bête. On a tenu à faire une petite bête. On a tenu à faire un G. Yani la كانت حداها I. بحال مثلا جيراف. La جيراف. Donc G. عندنا حداها I. تتقرا G. Donc ما يمكنش غنقراها G. غنشوفو le futur. Troisième temps, عندنا le futur. Donc le verbe manger au futur. Je mangerai. Tu mangeras. Je mangerai, donc dimandi e hdg, tu mangeras e hdg, il mangera e hdg, mangera, elle mangera, nous mangerons dimandi e hdg, vous mangerez e hdg, il ou elle avec s mangeront donc dimandi e. Donc le futur dimandi e. Le présent là, on a aussi dimandi e hdg, et nous vous. Alors je fais le présent, nous ou vous. D'accord? Ah, il y a le présent. Nous ou vous, Kaina. Oui. Donc, le présent, c'est un petit peu E, les pronoms Kamin. Fait l'imparfait. C'est le présent. Fait l'imparfait, je vais dire. C'est un petit peu A, ou Tani. Fait tout le chi, mais rien nous ou vous. C'est l'imparfait, mais c'est un petit peu A, je fais nous ou vous. Alors, je vais le futur. Le futur, c'est qu'on a ou Tani E, des G. Fait les pronoms Kamin. Yani le présent, bah, le futur. Toujours, on trouve E à côté de G. Bah, je vais le G. D'accord, ça prononce G. Fait le présent ou fait le futur. Ben c'est l'imparfait. Non. Fait nouveau. Maintenant que tu bouges. Peut-être qu'on fait je ou tu ou il ou elle ou il ou elle fait le pluriel avec S. Nous ou vous là. D'accord. Donc, c'est le petit truc les braises comme tu as vu. On va te partager mais comme Lio. D'accord. Donc n'oubliez pas ce truc. C'est très important pour le verbe manger. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et laisser un commentaire pour m'encourager. D'accord? À la prochaine, Inch'Allah.